L'évolution très rapide des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication en général, et de l'audiovisuel en particulier, impose à l'homme une perpétuelle remise à niveau et une formation continue pour une parfaite maîtrise des matériels techniques. En effet, dès la création de la caméra à nos jours, le système de caméra vidéo a connu une grande évolution, laquelle a permis la création de plusieurs caméras numériques. Créée en 2008 par la firme Sony, la caméra HVR-Z7 est le premier caméscope HDV de point doté d'un système d'objectifs interchangeables. C'est une caméra professionnelle parce qu'on peut la démonter et la remonter comme on veut. Donc on va essayer de démonter l'objectif. Il y a une bague de sécurité ici. On doit d'abord le désactiver pour libérer la bague d'ouverture de l'objectif. Il suffit de pousser seulement la bague blanche vers le haut et l'objectif est libre. Malgré les caractéristiques propres à sa série, son fonctionnement suit le même principe de base que toutes les caméras numériques. Plusieurs ports de sortie audio et vidéo se trouvent sur la partie arrière du boîtier. L'entrée et sortie. Ici, on a la HDMI. On peut les rapports l'amener directement sur un écran plat. Là, on a le HDVI. Bon, c'est une sortie vidéo. Ici, on a les différents types de AV et composite out. C'est aussi les sorties. Et là, c'est pour le contrôle casque. Cette caméra est destinée au reportage, à la production et au film à petit budget. Tu peux utiliser le standard, tu peux utiliser le grand angle comme tu peux utiliser le téléobjectif. Ce qui va te permettre d'évoluer sur tous les terrains, que ce soit sur le terrain de reportage ou sur le terrain de production. Ce qui la différencie des autres petites caméras numériques. Là, vraiment, ça t'offre beaucoup de possibilités d'utilisation. Pour quand tu as un petit budget de production, tu peux l'utiliser aisément en fonction des commandes de demandeurs. Cette caméra est composée essentiellement de deux parties, la partie optique et la partie boîtier. La partie boîtier est composée d'un écran LCD, d'une partie magnétoscope, d'un viseur et de plusieurs boutons répartis sur les différentes parties du boîtier. Le boîtier, il est équipé d'un certain nombre de fonctions qui te permettent vraiment d'exploiter la caméra sans rentrer dans le menu. C'est ça aussi l'avantage de cette caméra HVR-Z7. Tu as directement accès à tes fonctions. Tu ne rentres pas dans le menu, contrairement à beaucoup d'autres caméras semi-professionnelles. La partie optique est composée d'une bague de mise au point, d'une bague de diaphragme et d'une bague de zoom. Elle fonctionne en mode automatique et manuel. C'est un objectif courte focale. Carl Zeiss, c'est une marque Carl Zeiss. Donc, on a l'iris. On peut l'utiliser en manuel ou en auto. On a le zoom in-out. On peut l'utiliser en manuel ou en auto. Mais pour le mettre en auto, on revient ici. En dessous de l'objectif, il y a un petit bouton. Là où tu mets cerveau, dès que tu touches, c'est un peu lourd. Donc ça veut dire que c'est en auto. Tu dois l'utiliser par la manette.
Mais si tu le mets sur le manuel, donc c'est libre, c'est fluide. Donc ça veut dire que tu peux utiliser ça généralement, surtout pour les news, pour faire les plans de coupe en news, c'est très rapide de faire cadrer, de cadrer. Ici, on a la bague de mise au point. Et tu peux le mettre en manuel ou en auto comme tu veux. Là, c'est en manuel. Et si on veut le mettre en auto, il n'a pas un autre bouton, il suffit de la pousser vers l'avant. Juste en le tenant comme ça, et le tirer vers l'avant. C'est en auto. Là, elle est automatique. C'est lourd. Donc, elle fonctionne automatiquement. Ça, c'est juste un parasol. On peut l'enlever et le remonter. Il n'y a pas de problème. La caméra HVRZ7 est d'une grande fiabilité avec une manipulation facile car elle est dotée de fonctions multiples et variées. Parmi les boutons, on peut voir le bouton de zébra, le bouton de balance noir et blanc, le bouton de l'iris et bien d'autres. Vraiment, moi je la trouve très même adéquate pour surtout les producteurs qui ont des budgets qui ne leur permettent pas d'avoir un matériel vraiment de haute qualité. Non seulement tu as une qualité très acceptable, mais qui a un coût vraiment moindre. Avec ton petit budget, tu peux l'exploiter, surtout quand tu as un bon opérateur qui peut exploiter la caméra. Ici, l'essentiel, c'est d'avoir un opérateur qui connaît les fonctions, qui peut les utiliser en fonction de leur utilité. Elle est alimentée par une batterie rechargeable et marque info lithium. La caméra numérique HVRZ7 a pour support la carte compacte flash, la cassette de webcam et la carte SD. Tu peux utiliser trois supports. Tu peux utiliser le support cassette, tu peux utiliser le support carte interface ou tu peux utiliser les cartes SD, c'est-à-dire les standards pour les photos. En même temps que tu filmes, que tu fais tes images animées, tu peux faire des photos que tu peux utiliser par exemple pour tes affiches, pour les publicités. Donc tu as la possibilité vraiment d'une variation que de fixer après les images animées pour tirer des photos pour tes affiches, pour tes publicités. Comme toutes les autres caméras, la caméra numérique HVRZ7. A beaucoup d'avantages mais aussi des inconvénients. En ce qui concerne les caméras, beaucoup plus la maintenance préventive et l'exploitation. Si un exploitant entretient bien de manière préventive sa caméra, ça va prolonger la vie des caméras. Parmi ces inconvénients, on peut citer les mauvais entretiens et exploitations excessives qui sont des fois cause des pannes graves. Et arrivé un moment, c'est la mauvaise utilisation qui nous amène à voir que généralement, c'est les objectifs qui cassent. Parfois, c'est les gorges de micro qui se cassent. Il y a une mauvaise manipulation, une mauvaise utilisation fait qu'il y a aussi des courts-circuits dans les cartes. Et beaucoup, le problème qui fait garer quelques caméras qu'on vient de voir, c'est le problème de mécanisme de stéréo. Ces stéréos, c'est difficile d'avoir les pièces en détail pour réparer. Donc, commander en module nous pose un peu de difficulté. C'est comme ça que beaucoup de caméras qui n'ont pas la possibilité d'utilisation avec les cartes d'interface. Donc, c'est comme ça que ces cartes étaient garées en attendant qu'on puisse avoir les pièces de rechange pour mettre ces équipements en marche.
En somme, vu sa performance, cette caméra ne peut être utilisée que par des opérateurs de prise de vue professionnels. Il faut connaître déjà la caméra, connaître l'utilité de certains boutons et s'habituer à travailler un peu, à familiariser trop avec l'appareil pour la connaître mieux. Parce que c'est une caméra professionnelle, c'est pas facile. Il faut une formation pour ça. Ou même si c'est une formation dans les temps, il faut tout le temps avec la caméra, tout le temps à côté, avec un professionnel. Comme ça, on peut l'apprendre facilement. Mais n'importe qui ne peut pas utiliser cette caméra facilement.